Bonsoir. Bonsoir. Bon, il y a deux passages dans le livre de Galates que je n'arrive pas à bien comprendre. Celui qui a Dieu enseigne la parole face par tout, c'est bien, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Galates 6, c'est pas ça? Galates 2. Ok. Verset 1 à 22. Passage à beaucoup de prédicateurs, lève ton haut. Hein? Qui voulait le plus dire Galates 6, 6, 6? Que celui à qui enseigne la parole face par tout, c'est bien. C'est toi? Deux soeurs, ma soeur, on passe à la table, voilà la soeur. Le Seigneur nous disait ça, on attend le Seigneur. La soeur, nous voulons lire ce passage dans le livre de grâce. Parce qu'on va entendre. Galates 6, 6. Mais vous, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, c'est celui qui l'enseigne. Oh, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On a traduit cette Bible littéralement. C'est-à-dire, on a respecté ce qui est écrit. Galates, chapitre 6, verset 6. Est-ce que tu peux lire là, le passage ici? Galates 6, 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole soit en communication avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est. Tout ce qui est bon, c'est pas la même chose. Je te dis pourquoi. Pourquoi? Parce que le mot grec agathos ne signifie pas bien matériel. Le mot agathos signifie littéralement, n'est-ce pas? Littéralement, tout ce qui est louable, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon. Voilà, c'est tout. Et second, comme beaucoup de traducteurs, on traduit selon la part bien. Bien matériel. C'est faux. C'est-à-dire, ça rejoint ce que Paul disait ici, parce que dans 1 Corinthiens 12. Si un membre est honoré, tous les membres sont honorés. Voilà. C'est tout. Ça n'a rien avec l'argent. Et tu peux retrouver cela dans. Si tu vas sur Google, tout à l'heure, tu vas retrouver le grec. C'est écrit comme pour la traduction. Voilà. Donc, et le Seigneur a dit quoi? Vous avez reçu directement donné, Dieu ne vous demande pas. Donc, il est question de se réjouir avec tout le monde, tout simplement.